Bonjour, ben voilà les dernières heures de navigation des Loirs. Actuellement, elle est ici, au point numéro 1. Et nous sommes à 10h25, heure Europe de l'Ouest. Et donc là, il va se déplacer à une très bonne vitesse, puisqu'il est à 10 nœuds actuellement, dans un vent de 21 nœuds, rafale à 28. On peut voir hein, 20 ici et 28 là. Hein. Il continue de déplacer, donc jusque-là il n'y a aucun souci pour lui. Donc jusqu'à mercredi, en gros 5 heures, il va devoir tenir ses 10 nœuds. Bon, mettons 9. Hein. Et après, le vent va commencer à baisser puisque la dépression descend dans le sud. Et lui, il a décidé de faire son route directe. Hein. Il aurait pu descendre un peu. Donc là, sa vitesse va tomber à 6 nœuds, 5 nœuds. Et c'est la vitesse que je lui ai prévue hein, jusqu'à l'arrivée. À partir de là, c'est-à-dire 23h, minuit, là dans la nuit, il pourra bien dormir pour l'arrivée, là, parce que le vent va commencer à bien baisser. Il va avoir toujours des petites rafales du haut de la dépression. Je ne peux pas parler d'un front froid qui arrive, là, mais il aura des petites rafales. Et puis au petit matin, il sera dans le petit temps, 8 nœuds, 9 nœuds, 10 nœuds. Donc là, il va baisser, il va se retrouver à 4 nœuds. Et ça sera pas mieux. Et donc, bon, si je reste à 6 nœuds, hein, ça me donne ici, je continue. Il arrive et je dis. Allez, je peux pas aller voir plus loin. Désolé. Si, bah, si, j'y arrive. Ça me fait jeudi dans l'après-midi. Jeudi 23 midi. Là. Enfin, ça va baisser donc. Sur cette période-là, il va perdre pas mal de temps. Il sera pour jeudi soir. Donc, il aura atteint son objectif, je pense. Bon, on peut constater que le skipper Edouard et le bateau Solarwind commencent à bien comprendre ce que veut l'un et ce que peut faire l'autre. Allez, j'arrête.